Eh bien bonjour et alors comment allez-vous? Moi écoutez, je vais super bien. Alors aujourd'hui nous allons faire du Minecraft car aujourd'hui oui on va faire des mods. Je vous mettrai également, enfin si je pense à les mettre, les mods dans la description. Bah bon, il y a déjà un donjon. Car alors ça, le donjon là, ça vient du mode bêta de Jan. Un mode qui permet de rajouter des donjons, également le marcheur abyssal et plein d'autres trucs. Là je suis dans le biome Tega. Et donc on va commencer notre aventure, go! Oh plaisir, un truc qui serait tellement bien en Minecraft, c'est quand les arbres tombaient, comme ça le bois au moins le récolterait plus vite. Vraiment. Alors aujourd'hui, j'ai également mis 2 Doggy Talents. Voilà. J'ai également mis un mode qui s'appelle... Instant Massive Structure. Alors là on a plusieurs trucs, là aussi on a les Magica. Ok, bon, après écoutez, on va pouvoir faire une jolie maison puisque juste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec 7 planches seulement, on peut fabriquer un Magic House Block. Il y en a une autre. Ah, ça, ça existe, ok. Ok, bon. Bon, on va faire un Magic House Block. Je pense bien qu'on va la faire, ouais. D'ailleurs, on va déjà la fabriquer, je pense. Alors, maintenant, ça marche avec ce bois. Hop. Attends, hop. Oui, ça marche, voilà. Ok, donc voilà. Ensuite, hop, je vais faire une hache pour aller prendre un peu plus de bois. Comme ça, moi, c'est pour les outils, comme ça, moi. Alors, j'ai mon Zelda Sword Skills aussi. Oui, c'est ça, oui. Zelda Sword Skills, où il va falloir également récupérer les 3 panditifs pour former la Master Sword également. La Master Sword, et après, on peut... après c'est pas la forme finale encore, non, non, c'est pas la plus forte. C'est la True Master Sword la plus forte. Donc j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon, là vous voyez un peu. Bon, je suis désolée si on voit pas trop bien par contre. Hein. Ça, je suis vraiment, par contre, les gens, vraiment désolée. Alors, j'ai également le mode Crazy Ore qui va permettre de rajouter des. Rajouter des minerais. Voilà. Je sais que j'ai fait qu'une présentation de mode, mais bon. Oula! Ah ouf, c'est bon, voilà. Désolé, j'ai flippé, je suis désolé. J'ai fait un autre truc. Bref. Et là, alors ça vient du mode Crazy Horse, c'est le copper. Mais par contre, il a un secret. Enfin, un secret. Non, c'est pas qu'il a un secret, mais en fait, il peut miner n'importe quel minerai, ce copper. Ouais, même du diamant. On a également des minerais de météorites. Alors, cela, il peut être pas mal pour le minage. Parce que si on mettait. Alors, vous savez, pour le minerai de météorite, de la chance de récolter soit du météorite coal, qui va permettre de... En fait, le météorite coal, on peut s'en servir comme carburant dans le four. Par contre, ça remplacera votre. Ça remplacera le charbon, ça sera bien plus puissant qu'un charbon. Voilà. Et en plus, soit vous récoltez une météorite gemme. Ah oui, pardon, excusez-moi, juste pour le météorite coal, si vous mettez un bâton et une météorite coal, ça donnera 16 torches, hein, quand même. Wow! C'est pas mal, hein. Si vous faire 16 torches avec un météorite coal et un stick. Et la météorite gemme. Je vais faire les outils en météorite. D'ailleurs, ces outils-là, par exemple l'épée en météorite, elle va brûler les mobs quand on va taper avec. Juste par contre, elle fait les mêmes dégâts qu'une épée en pierre. Oh, il y a des citrouilles. Ah oui, mais non, ça sert à rien puisque les gens, de toute façon, c'est quand ça va générer à la maison. Des citrouilles dans un biome Taiga, jamais vu ça. Moi d'habitude j'en trouve en rappeler. Ah, il y a de la canne à sucre. Alors dommage que j'ai pas Optifine. Optifine, ça serait que ça. Ouais bon, de la brique, je sais pas à quoi ça va servir la brique. Est-ce que je la prends quand même? Non, je vais pas la prendre. Donc là, je suis dans le biome. Oui, oula, Taiga. Alors j'espère que je vais pouvoir trouver un endroit plat. Me demande si ça marche de mettre une maison dans l'eau. Non, je crois pas du tout. Je crois qu'il y aura de l'eau partout dans la maison. Ouais, ça, il y aura de l'eau partout. Alors, et alors, comment on fait pour générer? Alors, on fait clic droit sur le bloc. Oula, on a déjà fait toutes ces minutes là, empêche, hein, voilà. Alors, je sais, ça va être court par contre. Je suis désolée, c'est un peu court. C'est un peu court la présentation. Bon, n'importe quoi. Moi, je veux juste aller. Est-ce que vous. Allez, je tente ou pas? Bon!
Sinon, je continuerai. Hein. Oh non, pas le donjon. Attendez, je vais tenter. Oh, mais là, l'eau est... Oh, il y a un truc de glace. Bah, allez, on va essayer. On va mettre notre maison ici, comme ça, au moins, c'est parfait. Alors, oh, ok. Oh. Oui, ça marche, ok. Ah, il y a juste ça, mais bon, j'espère que ça rentre pas à l'intérieur. Et là, c'est bien quand on a des loups. Et c'est cool, comme ça, on va pouvoir avoir des chiens, comme ça. Ok, jolie maison. Haha. Ok. C'est beau. Bon. Par contre, oh, c'est beau. Punaise, j'admire quand même. En fait, j'admire. Alors, on va faire un truc, je vais juste aller... Oh. Wow. Ok. Maintenant, est-ce que je peux s'y faire ça? Ok. Bon, on a fait un truc joli dans ma maison, vous avez vu? Ah, par contre, là. C'est vrai que là. Ouais, bon, c'est vrai que là, c'est un peu. Voilà. C'est un petit peu. Voilà, je sais pas comment dire. Alors, on va se faire mascotte déjà. On va se crafter le plus possible. Bon, je peux m'en crafter 4, c'est-à-dire. Hop. Que fait au moins. Voilà, comme ça, au moins, on aura un mastocage. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien l'écran. Oui, normalement vous êtes, normalement vous voyez bien. Non enfin, faire un truc. Ah mais c'est joli, on a une maison. Elle est jolie, n'empêche, hein, n'empêche. J'ai fait une bonne maison, j'ai bien, j'ai beau à gérer cette maison. Regardez, j'ai une bonne partie de la plaine dans ma maison. Alors que pensez-vous de ce décor? C'est joli, n'est-ce pas? Hein? Alors, ah ouais. Alors là, l'arbre qui bloque. Là, on fera la table d'enchantement. Ah, oh, c'est très beau, hein. Ici, je sais pas. Peut-être le portail ou le truc d'alchimiste. Alors, oui, voilà. Ouais, donc, on va également... Oui, il y aura... Ouais, c'est quand même joli, quand même, la belle montagne à l'intérieur. Ça, je pourrais. Oh, il y a un vase. Ah oui, parce qu'il y a des vases dans Zelda Sword Skates. Bon, bah, bientôt, on va pouvoir arrêter la vidéo, bientôt. Je suis désolée. Ah, je suis vraiment désolée. Voilà. Sinon, je vous mettrai peut-être les liens si j'oublie pas. Après, si j'oublie, bien sûr. Alors, c'est pas les toutes dernières versions. Je suis désolée. Tiens, j'ai même pas la toute dernière version de Zelda Sword Skills. Car là, je suis en 1.7, 1.7.10. Et c'est pas la toute dernière version. Vous savez, où il y a l'Auracie. Ah. Ok, il y a de la glace. Là. Ah oui. Oh, j'ai récolté les carottes. Cool. Cool, on va pouvoir en replanter. Hop. Ah c'est vrai, ok, donc là on a un potager de carottes. Ça peut être pas mal les carottes si on peut faire un élevage de cochons. Hein. Que pensez-vous, on pourrait faire un élevage de cochons. Hein. C'est vrai. Ou aussi pour les potions night vision. Ça aussi c'est pas mal. Ça aussi c'est... Donc là, je mets des patates. Voilà, bon. Ben alors, ouais, donc... bon, écoutez, on a déjà fini. C'est trop dommage, je sais. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a bien plu. Allez, ciao !